c'est un entrepreneur qui vient s'installer chez nous, qui d'ailleurs est présent depuis presque une trentaine d'années en Dordogne en tant qu'acheteur, et il crée des locaux ici pour concentrer ses achats. Le fait que ce soit un opérateur de la Nord Grenoble n'a pas beaucoup d'importance. Il pouvait venir du nord de la France ou de Paris, on serait quand même content d'accueillir une entreprise en Dordogne. C'est très important. Ensuite, je l'ai dit, ce qui importe aujourd'hui, c'est que les deux appellations soient protégées, aussi bien la noix de Grenoble que la noix du Périgord. Et pour avoir l'appellation, il faut que les noix du Périgord soient emballées en Périgord. Et l'entrepreneur, M. Rivière, s'y est engagé absolument pour respecter le cahier des charges. Et puis, il y a autre chose aussi. Vous savez, on n'est pas forcément concurrent. On est complémentaire. Il faut savoir que sur le marché international, les noix françaises du sud-ouest et du sud-est, c'est les deux grandes régions, partent à 80% à l'exportation. Elles partent dans tous les pays du monde, mais principalement en Europe du Nord et en Espagne. Et là, on a intérêt les uns et les autres, qu'on soit de l'Isère ou de la Dordogne, qu'on soit noix de Grenoble ou noix de Périgord, à travailler ensemble pour faire que la noix française soit reconnue de par son excellence. Et c'est à ça que nous devons travailler. Donc il n'y a pas de concurrence forcément. Ce qui va se passer, c'est que cet opérateur va se développer et il sera forcément en concurrence au niveau des achats, il l'est déjà, avec des opérateurs coopératifs qui existent déjà dans le secteur, ou par rapport aux opérateurs privés. Mais ça, c'est la saine concurrence d'un marché. Je crois que l'Europe doit réagir face à l'afflux des réfugiés qui fuient leur pays en guerre, qui fuient la mort pour beaucoup d'entre eux. C'est une situation qu'on a connue ici en Dordogne à une autre période, puisque durant la Deuxième Guerre mondiale, on a accueilli entre 70 et 80 000 réfugiés. Il s'agissait bien de réfugiés. Tout le monde revoit les images sur les routes des gens de l'Alsace et de la Lorraine qui étaient envahis à ce moment-là par les nazis et qui sont venus dans le sud de la France. La Dordogne, ça a toujours été une terre d'accueil. C'est pas dans les mêmes proportions. Mais j'ai lancé un appel aux maires pour leur demander s'ils avaient des logements vacants de façon à pouvoir mettre en place de l'accueil, comme on l'a fait d'ailleurs à La Coquille, à Jumillac-le-Grand, déjà dans deux communes du Périgord. À partir du moment où il y a déjà des maires qui m'ont téléphoné pour me dire qu'ils avaient des logements vacants, eh bien on mettra en place cet accueil. Et la compétence essentielle du département, c'est la compétence sociale. Et on accompagnera ces familles de façon à ce qu'elles puissent retrouver tout simplement une vie normale. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Le président de l'Association des maires de France, notamment. Alors, je me suis insurgé sur d'autres antennes contre les propos de M. François Barouin, qui est le maire de Troyes, qui est un personnage politique important de la droite. Il a été ministre à plusieurs reprises et qui a déclaré qu'il n'accueillerait personne dans sa ville de Troyes. Je trouve que c'est totalement scandaleux. Il y a des petits villages qui se manifestent aujourd'hui, qui ont 300 habitants et qui disent « moi j'ai un logement ». Comment dans une grande ville, on ne peut pas dégager 3 logements, 5 logements, 10 logements pour accueillir des personnes? C'est totalement scandaleux. C'est indigne d'un homme politique, qu'il soit de droite ou de gauche. C'est indigne d'un maire d'une grande ville. Mais c'est surtout indigne du président de l'Association des maires de France. Il donne une image détestable de l'association et des maires. Moi, je me suis insurgé et je demande la démission de M. François Barouin. Il n'est pas digne de représenter les maires de France aujourd'hui. Une dernière question, Jean-Yves Perrault. Vous souhaitez lancer une consultation auprès des Périgordins, je crois, sur Internet, voir leur soutien dans vos démarches. Oui, on a engagé hier, officiellement, la démarche des assises du département de la Dordogne, qui prennent 3 formes. De quoi s'agit-il? Il s'agit de consulter les Périgordins sur ce qu'ils pensent de la Dordogne d'aujourd'hui, de leur vie, de tous les sujets économiques, les sujets environnementaux, les sujets sociaux, l'habitat, les transports, la culture, le sport, etc., etc. Sur tout ce qui fait notre vie de Périgourdins, je demande aux Périgourdins de me donner leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent de la réalité d'aujourd'hui? Mais je leur demande surtout de dire, voilà ce qu'il faudrait faire dans tous les domaines
pour améliorer globalement l'attractivité du département de la Dordogne et la vie des Périgourdins. Et ce sont les assises qui vont durer pendant un mois et demi, quasiment deux mois. Et on a plusieurs formes de questionnement. Il y a d'abord un questionnement de tous les citoyens et de tous les foyers périgourdins à travers un site internet, mais aussi à travers une diffusion papier, à travers notre magazine « Vivre en Périgord ». On aura une autre formule, c'est que j'ai envoyé 3500 lettres à ce qu'on appelle les forces vives, les grandes entreprises, les responsables de filières économiques, les responsables de grandes associations, etc., etc., pour qu'ils m'apportent des contributions. Et nous aurons 10 journées d'assises, c'est-à-dire de travail, sur 10 thèmes, en 10 lieux de la Dordogne, parce que je n'ai pas voulu que tout soit organisé à Périgueux, de façon à ce que les Périgourdins, véritablement, thème par thème, puissent faire ressortir ce qu'ils pensent aujourd'hui de notre réalité, mais surtout les besoins. Quand nous aurons collecté tout ça, je les questionne aussi sur la fiscalité, je leur dis où en sont nos finances, je leur demande s'ils seraient prêts à contribuer plus, ils répondront oui ou non, c'est à eux de voir et à quelle hauteur, par foyer fiscaux, puisqu'il faut savoir que les recettes du département, en termes d'impôts, elles ne viennent aujourd'hui que du foncier bâti. Donc je m'adresse aux propriétaires, les locataires, eux, ne payent pas d'impôts qui reviennent vers le département. Mais j'aborde tous les sujets sans tabou. Et une fois que nous aurons récolté tout ça, nous sommes aidés pour ça par les enseignants-chercheurs de l'IUT de Périgueux, eh bien les élus, en toute connaissance de cause, prendront leurs décisions. Ça va orienter le budget l'année prochaine. Ça sera. On aura des orientations budgétaires dès la mi-décembre et ça influera sur la politique. Je n'ai pas voulu que les 50 élus départementaux, parmi lesquels il y a 32 nouveaux, dont la moitié de femmes, vous le savez, je n'ai pas voulu que les choses se passent à 50 personnes, que ce soit nous qui décidions de tout. J'ai voulu que tous les Périgourdins se sentent concernés. Mon but, c'est de mettre en place un projet de territoire, un projet pour la Dordogne, pour la durée de notre mandat, pour les 6 ans de notre mandat. Je n'ai pas voulu le faire seul, je n'ai pas voulu qu'il y ait que les conseillers départementaux qui préparent ce projet, j'ai voulu que tous les Périgourdins y soient associés. Voilà l'objet de notre démarche. C'est un clan, c'est une famille, c'est une solidité, c'est une pérennité, c'est de la fiabilité, c'est de la durabilité. C'est ça la famille Rivière. Donc, s'il vient ici, c'est parce qu'il a un rêve. Un rêve de continuité. Alors, David Douillet, donc, vous êtes invité ici à Thonon pour l'inauguration d'une entreprise de noix. Je crois que vous connaissez bien le propriétaire. Oui, c'est un ami. Un des meilleurs amis en vérité, à la Rivière, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Plus de 20 ans. Beaucoup plus de 20 ans, oui, on va s'arrêter là. Dans le domaine du sport, je crois. Hein, non, on s'est rencontrés à la montagne en fait, parce qu'elle a une autre activité en montagne. Et on a partagé des moments forts, puisqu'à une époque de ma vie, j'étais athlète. Et comme chacun sait. Voilà, il s'est chargé de me peaufiner une préparation physique spécifique qui s'appelle la randonnée à ski, en pot de phoque, quelque chose d'assez physique. Et on a fait ça plusieurs fois ensemble. Alors, au-delà de l'amitié, on a aussi un vécu dans la dureté de l'effort. Et ça soude vraiment les hommes. Et c'est une amitié indéfectible, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai fait toutes les inaugurations de ces usines, de ces entrepôts. C'est pour l'encourager dans sa démarche de la noix, enfin, c'est ça, c'est l'entreprise, la création de ce... Oui, je n'ai pas besoin de l'encourager. C'est un entrepreneur né. D'ailleurs, il va l'expliquer lui-même, je pense, dans son discours. Ses deux enfants ont repris son activité à Vinay, dans l'Isère. Et lui, s'ennuyant un petit peu, eh bien, il a développé, il a mis une filiale, une annexe ici, pour s'en occuper à nouveau lui-même. Voilà, c'est un hyperactif, en fait. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui entreprend, qui construit, qui a toujours des projets. Il est de grande qualité. Mais je suis là, surtout parce que c'est mon ami, il fait partie de ma famille. Vous découvrez le Périgord ? Le Périgord, j'ai traversé plusieurs fois. Je m'y suis arrêté assez souvent. C'est pas une découverte, mais ça reste une contrée que j'aimerais connaître mieux. Et s'il y a des clubs de judo ici qui viennent vous rencontrer, vous êtes toujours réceptif Bah évidemment, ça fait partie. Tout à l'heure, il y avait un petit judoka là, qui m'a fait signer son carnet. C'est normal, ce sont mes racines,
là aussi, ça fait partie de ma famille. Et on est nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alain Rivière, donc, votre venue en Périgord, pourrait-elle faire peur, non ? Non, pas du tout. Je suis en Périgord en achat de noix depuis 1984-85. Et donc, ça fait presque 30 ans. Donc, vous travaillez avec les producteurs d'ici. Voilà, je travaille avec les producteurs d'ici. Par contre, on n'avait pas de structure. Et notre choix a été de faire une structure il y a 4 ans, quand ils avaient décidé de faire l'écotaxe. Aujourd'hui, c'est un projet abandonné, mais on était dans l'obligation, si on voulait continuer de travailler avec la région, de mettre une structure sur place pour limiter les frais de camion en ramassage et en transport pour l'Isère. Ce qui fait qu'on a la possibilité de grouper la marchandise, de faire des camions complets à 26 tonnes et de regarder la qualité directement sur place ici. Ça a été un choix pour améliorer la qualité et pour faire des économies, on va dire, d'énergie. Votre arrivée en Périgord montre bien que la noix du Périgord a sa carte à jouer, a sa qualité. Sur la noix du Périgord, on plaisante toujours qu'elle est la meilleure, mais la noix du Périgord, incontestablement, elle est connue et reconnue dans le monde entier. En Europe, elle est commercialisée partout et on la trouve sur tous les étalages. À côté de ça, il y a la noix de Grenoble qui représente aussi 20 000 tonnes. Donc 20 000 tonnes des deux régions, ce qui fait 40 000 tonnes. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se consomme plus de 200 000 tonnes de noix en Europe. Donc ce qui fait qu'il nous manque de la production, que ce soit Périgord et Grenoble. Parce que le reste est vendu par des Américains, des Chiliens, des Indiens, et pour satisfaire le marché européen. Est-ce que votre arrivée en Périgord pourrait être synonyme d'embauche ? Bien sûr, bien déjà, on a fait une petite saison l'année dernière et on avait déjà deux ou trois personnes qui travaillaient dans cet entrepôt. Demain matin, notre souhait, ça serait de développer. Si on décide d'emballer et de conditionner sur la zone, eh bien, nous serons obligés d'embaucher. Et là, on aurait création d'emploi, peut-être 10, 15 personnes. Est-ce que le côté accueil du Périgord, le côté bien manger, le côté gastronomie, la bonne image du Périgord a joué aussi dans le fait que vous venez vous installer ici? Alors, je vais vous dire, ce qui a joué, c'est que je m'y sens très très bien. C'est ce qui a joué le plus. C'est que je suis en Périgord comme à la maison. J'ai l'impression de connaître les gens depuis longtemps, je suis toujours très bien reçu. Et vous savez, quand vous êtes bien reçu chez les gens, vous avez envie de les voir le plus souvent possible. Et voilà ce qui m'a surtout décidé, moi, à titre personnel. Donc ce qui implique qu'après, ben, on travaille aussi, on achète de la marchandise, et elle est de très bonne qualité, donc ça donne envie d'en commercialiser le plus possible. La récolte 2015 s'annonce comment ? Grosse récolte. On va pas dire que c'est peut-être pas la plus grosse récolte qu'on ait vue de ces 30 dernières années, mais c'est une bonne récolte. Elle aura du calibre, elle sera de qualité, il y a eu des pluies suffisamment. On va dire qu'on sera satisfait de cette qualité-là et on sera très très content d'avoir enfin une récolte suffisante en tonnage pour pouvoir avoir une place en Europe importante pour la prise de marché. Un dernier petit mot sur les personnes qui vous entourent. Alors vous êtes entouré de personnalités un peu reconnues. Vous avez voulu marquer un petit peu votre arrivée médiatiquement, c'est ça ? Non, je suis très ami avec beaucoup de sportifs grâce à un autre métier que je fais en montagne. J'ai des magasins de sport en station dans les Trois-Vallées depuis 35 ans maintenant. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de sportifs, de sympathiser avec eux. Et ils m'ont toujours soutenu dans toutes mes inaugurations de mes locaux ou des inaugurations personnelles. Ils ont toujours été là. Et venant ici, créant un nouveau bâtiment, c'était normal que je les invite. Et bien sûr, c'est surprenant, on dit, mais non, ce sont des amis de 30 ans. Et David Douillet aussi, qui était là, est un ami, on a fait de la randonnée à ski ensemble quand il était à tête de haut niveau. Merci beaucoup, merci.